Elle s'appelle Nathalie. Peut-être que certains la connaissent déjà. Ses parents ont vu, toute petite, qu'elle était faite pour la scène. Elle en est à son 7e spectacle à peu près. Elle s'essaye tout nouvellement au One Woman Show. Elle vient nous présenter un extrait de Toute seule ou pas. Je vous demande de réserver un triomphe à Nathalie. À vous de moi. La journée internationale du loisir. Donc aujourd'hui, pas de mathématiques. Non, je suis là pour vous divertir. Pourquoi il y a autant d'élèves aujourd'hui au fond de la salle? Oui, Arnaud, c'est les 4 millénials, c'est les 4e 3B 2D. Bah, c'est pas grave, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas prévu de faire de cours, donc on est juste là pour rire. Puis finalement, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Bon, alors, je suis pas trop habituée au rire, donc j'ai prévu qu'on pourrait peut-être se raconter des petites blagues. Je tendais comme une bisectrice, moi. Alors, Clara m'a dit, Clara, dis-moi, 0 plus 0 égale... Mais non, Clara, les mathématiques, c'est pas automatique. 0 plus 0 égale tête à toto. Bon, vous aimez pas les blagues? C'est pas grave, je vais prévu une autre activité. J'ai prévu qu'aujourd'hui, on allait faire un avion à réaction et on va envoyer cet avion à réaction sur les étoiles. Pourquoi pas sur la Lune et pourquoi sur les étoiles? Parce qu'on a tous quelqu'un assis sur une étoile à qui on a envie d'envoyer des messages. Donc on va envoyer cet avion ce soir, hein, sur les étoiles. J'espère qu'on va y arriver. Donc je vais vous expliquer comment on fait un avion. Donc je suis vraiment très très angoissée, je vous dis, le comique, c'est quand même pas mon truc, hein. C'est la journée du loisir, j'ai pas bien le choix. Alors, vous allez tous prendre une feuille de 21 cm par 29 cm. Allez, vous avez ici deux angles à 90 degrés que vous allez rapprocher. Vous prenez votre équerre et vous allez plier la diagonale. Regarde, Toufik, tu prends ton équerre et tu plies la diagonale. Et vous obtenez un magnifique angle à 180 degrés. Si on dirait un deltoïde, hein. Après, vous allez faire une rotation de l'avion. Alors attendez, je réfléchis dans quel sens. Oui, non, ça va être comme ça. Donc faites une rotation et vous placez le début d'avion en parallèle sur la table. Voilà. Après, vous allez plier le sinus avec le cosinus avant qu'il prenne la tangente. Oui, Arnaud, on peut pas, le sinus peut pas se rapprocher du cosinus. Bien sûr que si, Arnaud, la preuve. Bon, après, vous prenez l'hypoténuse que vous pliez comme la diagonale. Ça vous plaît comme activité? Oui. Bon, Clara, tu t'en sors avec ton avion? Non, c'est pas grave, Clara. Alors, après, vous prenez la deuxième hypoténuse et vous la pliez aussi. Vous obtenez un magnifique avion à réaction. Il est beau, hein? Vous y êtes tous arrivés, là, par la petite Clara, non? Oui? Ok. Alors après, on va pouvoir mettre des messages sur vos avions, puisqu'on se rappelle qu'ils vont partir sur les étoiles. Donc, vous allez pouvoir personnaliser les ailes de votre avion, hein? Vous avez ici les deux petits triangles isométriques. Donc, vous personnalisez votre triangle. Voilà. J'ai une petite idée, comme ça. Ah oui, Clara, maintenant tu rigoles, t'as tout compris. C'était la blague de tout à l'heure. Alors, on va peut-être faire maintenant le décollage. Et finalement, la construction de l'avion, c'est une chose, mais il faut aussi ne pas rater le décollage. Parce que si on rate le décollage, ben, l'avion, il décolle pas. Oui, non, c'est bien, mais finalement, les 4e 3D de B ne sont pas si nuls que ça. Ils ont compris, ils suivent au moins. Alors, on va y aller sur le décollage. Donc, je vous explique la procédure de décollage. Donc, vous allez faire... C'est très, très, très précis, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Il va falloir faire 3 pas chassés latéro-postérieurs, un mouvement elliptique vers l'arrière, et vous lancez en droite directe. Voilà. Mais avant un décollage, qu'est-ce qu'on fait? Un compte à rebours, hein? Voilà. Donc, on va faire un compte à rebours en 5, 4, 3, 2...
Zéro et puis décollage, ok? Donc, vous n'êtes pas bien participatif aujourd'hui, c'est comme tous les jours du reste, mais bon, j'espérais que le jour des loisirs, vous seriez un petit peu plus motivés. Enfin bon, on va y aller, donc je compte sur vous, hein? On y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça me fait hyper plaisir de vous voir faire ce décompte finalement, donc on va peut-être le refaire parce que je trouve que c'était pas assez puissant parce que tout est quand même dans la puissance du compte à rebours pour lancer l'avion vers l'étoile, ce qui est quand même l'objectif ce soir, hein? Ok? Donc on va y aller, c'est bon, Toufi, t'es prêt? Oui? Allez! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Décollage! De maths, hein, surtout aujourd'hui, je suis un peu émue quand même finalement. Donc voilà, bah, ça peut arriver de se tromper, mais c'est pas grave finalement, il a volé quand même, il a peut-être même une petite parabole, on peut le dire. Bon, bah, je vois que vous êtes pas hyper intéressés, bah, voilà, c'est pas grave, hein, parce que demain, on va reprendre le cours et demain, il y aura une interrogation sur l'intégrale de Newton. Donc je vous conseille de garder vos interrogations parce que demain, les loisirs, c'est fini. Voilà. Hein, et puis, je ne vais pas vous rater vu la motivation que vous avez eue, l'énergie qui monte à la mort aujourd'hui. Je pensais quand même qu'on pourrait peut-être chanter une petite chanson avant de finir, non? Parce que je sais pas si c'est un peu désespéré. Les chansons, en général, c'est convivial. Hein. Allez, je commence et puis vous enchaînez. 1, 2, 3, nous irons en bois. 4, 5, 6, cueillir des saucisses. 7, 8, 9, manger un gros bœuf. Ça, tu ne fais pas rire. La provocation demain. Donc les paroles, je sais très bien que c'est « If I win,
traduction, Arnaud, vu que ta momie est anglaise. Tu sais pas, hein? Ah oui, Toufik, on m'a jamais dit que ma voix était comme une abscisse sur un diagramme, c'est beau. Bonne journée les enfants, hein.